Salutations, salutations, salutations à tout le monde. Salutations à tout le monde, je vous salue, je pense que vous allez bien. De mon côté aussi, ça va. Comme prévu, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, je dirais intéressant. Salut ma soeur Naska NK, je pense que tu vas bien. Merci pour ta présence. Nous allons parler sur la notion de Dieu dans la tradition Congo, dans la tradition des Bakongo en fait. Parce que les Bakongo sont, je dirais, sont des individus qui sont dans, qui appartiennent, je dirais, à l'ethnie qu'on appelle le Congo, le Bakongo, bien que le terme est générique, dans le Congo, il y a plusieurs ethnies ou des tribus encore. Donc, c'est pas le sujet, mais c'était juste pour fixer les choses de ce que nous sommes en train de dire. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons parler sur la notion de Dieu dans la tradition Congo. Bien sûr, c'est un sujet très vaste, mais j'ai fait de mon mieux pour être bref, pour ne pas, je dirais, aller par-ci, par-là, parce que le sujet est tellement complexe, mais j'ai fait mon effort pour que ça soit clair pour mon audience, pour nous, parce que ça me concerne aussi. C'est une manière pour moi aussi d'apprendre aussi la chose, parce qu'une manière d'apprendre la chose, c'est aussi les communiquer, comment les transmettre. Donc, en transmettant la chose, ne vous concerne pas seulement, les personnes dont vous transmettez la matière ou bien la connaissance, mais ça vous concerne aussi. Donc c'est en fait ma manière aussi, ma méthode aussi d'apprendre ou bien de saisir ou bien d'assimiler les choses. Voilà pourquoi je fais des lives, pour que ça reste en fait. C'est dans cette optique-là pédagogique que je vois les choses. Voilà. Donc le thème d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, ma sœur. Je vais bien, merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la notion de Dieu dans la tradition Congo. Donc, comme vous le savez, dans mes lives, soyez libre, posez des questions. Si vous avez des contradictions, contredisez. Si vous voulez partager aussi, soyez libre, envoyez-moi la demande et puis nous allons partager. Donc, sentez-vous vraiment libre. C'est toujours des moments de partage. Voilà. Donc, nous allons parler sur la tradition de Dieu dans la notion de Dieu dans la tradition Congo, qui est subdivisée en trois grandes parties, ou bien trois grands chapitres, trois grands points. Nous allons parler sur les sources de la théologie Congo, parce que la théologie, c'est la science des dieux. C'est la connaissance, la science qui entrevoit l'étude de Dieu. Et puis, nous allons parler sur les évidences de l'existence des dieux dans la tradition Congo. Et puis, enfin, nous allons parler des dieux proprement dits, qui est Dieu selon la vision du Congo, du Bessi-Congo, du Bakongo. Et puis, nous allons nous arrêter là. Et puis, nous allons répondre à des éventuelles questions par rapport au sujet. Merci. Donc, voilà, je vous salue encore. Voilà, nous commençons. Sentez-vous libre, posez les questions comme vous voulez par rapport au sujet. Si vous avez des interventions aussi, soyez vraiment libre, c'est un partage. Donc, la notion de Dieu de la tradition Congo, comme je vous le disais tantôt, le Congo, ou bien la tradition Congo, c'est une tradition qui remonte depuis la nuit des temps, en fait. Depuis la nuit des temps. Parce que quand on parle de Congo, les Bakongo, je vais d'abord fixer les choses. Quand on parle de Bakongo, il faut savoir que c'est un tribu, si vous voulez, c'est un clan ou bien une ethnie qui se trouve actuellement dans l'espace géographique de la République démocratique du Congo, du Congo Brazzaville et de l'Angola. Ça vient, c'est une résidu du royaume Congo qui n'existe plus, qui était en fait vers l'ouest du Congo, de la République démocratique du Congo, donc c'est-à-dire la province actuelle du Grand Bandundu,
Kinshasa et le Congo central, le bas Congo, autant les Zaïre, et puis une partie du Congo Brazzaville, et puis une partie de l'Angola, au nord de l'Angola, en fait. D'où la capitale s'est trouvée, Mbanza Congo, en fait, s'est trouvée en Angola. Donc, le royaume Congo s'est trouvé là, en fait. Donc, c'est de là où nous trouvons les personnes, ou bien le regroupement des gens qu'on appelle les Bakongo, ou bien les Bessikongo, ou bien les Congo. Maintenant, nous allons voir leur notion de Dieu. Comment ils percevaient Dieu? Salut mon frère Begominzi Nting Kayenge. Comment les Bakongo perçoivent Dieu? Comment leur vision de Dieu est comment se construit, se caractérise par rapport à cela? Parce que quand on parle de Dieu, Dieu est un concept. Il faut d'abord le savoir, mes chers amis. Dieu est un concept. Parce que la vision de Dieu pour un peuple donné n'est pas forcément la même pour d'autres peuples. Nous allons le voir ici même avec les Bakongo. Vous allez voir que c'est diamétralement opposé avec la notion de Dieu de chrétien, en fait. Parce que de chrétien. Parce que ça n'a rien à voir, en fait. Quand on parle de Dieu chez les Bakongo, c'est totalement différent avec ceux des religions abrahamiques, avec l'islam, le judaïsme, ou bien le christianisme. Et bien sûr, il peut y avoir certaines similitudes, bien sûr, ça ne manque pas. Mais la vision vraiment est totalement et grandement différente par rapport à d'autres cultures. Voilà. Donc, je disais que notre live d'aujourd'hui, la notion de Dieu dans la tradition Congo est subdivisée en trois grandes parties. Nous allons parler sur... Salut mon frère Mike Kassongo. Nous allons parler sur les sources de la théologie Congo, c'est-à-dire les sources d'où... je tire, en fait, la matière de ce que je vais dire aujourd'hui. Et puis, les évidences de l'existence de Dieu, comment les Congo démontrent que Dieu existe. Et puis, nous allons, en fait, conclure avec Dieu. Nous allons parler du concept Dieu dans la tradition Congo. Comment les Bakongo appellent Dieu? Vous allez comprendre que c'est tellement complexe par rapport à cela. Parce que, comme je vous ai dit, quand on parle de Dieu, c'est pour ça que je pose toujours la question. Quand on parle de Dieu, mais je dis, on parle de qui précisément? Parce que quand on parle de Dieu, comme je vous ai dit, que c'est un concept. Donc, ce n'est pas commun à tout le monde. Donc, il y a tellement beaucoup de peuples, beaucoup de communautés. Chaque communauté a reçu, en fait, une portion de la connaissance de Dieu. Donc, ils sont totalement différents avec d'autres peuples. Voilà pourquoi il y a plusieurs religions, plusieurs spiritualités, plusieurs traditions initiatiques. Donc, tout cela a pour objectif la connaissance de Dieu. Vous comprenez, donc c'est vraiment ça que nous devons comprendre par rapport à cela. Donc voilà, nous commençons. Je signale que notre thème, c'est la tradition de Dieu, la notion de Dieu, la tradition Congo. Excusez-moi pour la redondance. Parfois, je me répète, je ne sais pas si c'est un défaut, mais on s'améliore de temps en temps. Salut mon frère JL Élégance. Voilà. Parlons des sources de la théologie Congo. D'où je tiens ce que je vais dire aujourd'hui par rapport à la notion de Dieu dans la tradition Congo. En fait, ce que nous devons savoir est que la notion de Dieu dans la tradition Congo est vue à partir de la tradition orale. Comme vous le savez, la plupart, je dirais, toute l'Afrique noire subsaharienne reçoit ses enseignements par la tradition dite orale, en fait. Il n'y a pas forcément des écrits, en fait. Il n'y en a pas forcément. Voilà pourquoi, vous allez même voir en Égypte, avec les pyramides, il y a des écrits qui sont gravés, en fait. Il n'y a pas de textes sacrés, parce que l'écriture est venue avec l'invention de l'imprimerie vers le 15e siècle, en fait. Vous comprenez? Donc, en Afrique, précisément chez les Bakongo, la connaissance était transmise par la tradition orale. Donc, les récits de ceux qui ont vécu les événements religieux, les récits des initiés, rassemblés par des chercheurs, les témoignages des initiés, encore en vie, la théologie naturelle, donc c'est-à-dire l'observance de la nature, parce que Dieu, on ne le voit pas, mais on le contemple par l'observation de la nature, c'est-à-dire tout ce que la nature contient, c'est-à-dire l'être humain, tous les règnes minéral, végétal, même des astres, tout cela constitue la finalité pour connaître Dieu.
Là, je suis en train de parler sur les sources de la tradition Congo. Comment les Congos ont bâti leur théologie, en fait, leur façon de voir Dieu. Donc, je vous ai dit par rapport à la tradition orale, par rapport aux événements religieux, par rapport aux récits des initiés, des personnes qui ont perçu la connaissance de Dieu, qui sont hautement élevés par rapport à la connaissance de Dieu, au témoignage de ces initiés-là, à la théologie naturelle, tout ce que nous voyons dans l'observation de la nature. Je pense que jusqu'à là, c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions. Nous avançons. Il y a un penseur ou bien écrivain africain du nom de John Mbiti qui dit dans son livre « Religion et philosophie africaine », il dit ceci. « Ce que l'Africain sait de Dieu s'exprime par des proverbes, des courtes énoncées, des chants, des prières, des noms, des mythes, des récits et des cérémonies religieuses. Toutes ces choses, c'est-à-dire les proverbes, les courtes énoncées, les chants, les prières, les noms, les mythes et les récits, et les récits et les cérémonies religieuses, c'est-à-dire toutes ces choses sont faciles à garder en mémoire et à transmettre. Je vous ai parlé de la tradition orale, à la transmission. Voilà pourquoi on parle de la tradition. La tradition veut tout simplement dire la transmission, qui vient du verbe latin tradere, la tradition, donc la transmission, la tradition orale. Car les sociétés traditionnelles ne possèdent pas d'écrit sacré. Voilà pourquoi en Afrique traditionnelle, c'est la tradition orale, en fait, qui règne, parce que on estime que la connaissance est captée plus par, comme je vous ai dit, selon John Beats dans son livre « Religion et philosophie africaine », par des proverbes, les courtes énoncées sous les baobas, les chants, les prières. Donc, l'Africain, en fait, en soi, dans son intériorité, il retient les choses facilement par ses moyens, en fait, selon John Beatty, par les moyens des proverbes, des chants, des prières. Voilà pourquoi un Africain, on retient les choses facilement par les chants, par des proverbes, par des mythes, parce que ça se répète comment constamment dans la société. Ce n'est pas forcément écrit, en fait. Voilà pourquoi nous, les Africains, forcément, je dirais pas, on n'aime pas lire, non, c'est pas, si je dis ça, c'est beaucoup de gens vont le voir dans un œil négatif, non. Mais notre culture, en fait, c'est la tradition orale. C'est par rapport aux chants, aux prières, aux mythes, aux récits rencontrés par des cérémonies religieuses, par ce que nous voyons, en fait, ce que nous captons, parce que nous, les Africains, on est différents d'autres peuples. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Voilà pourquoi c'est difficile qu'on apprivoise ou même qu'on capte tout ce qui vient de l'extérieur. C'est pas africain, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, John Beatty disait, je vais répéter, dans son livre Religion et philosophie africaine, là, nous sommes dans les sources de la théologie Congo. Je rappelle que nous parlons aussi de la notion de Dieu dans la tradition Congo. Ici, c'est le premier point, les sources de la tradition, de la théologie Congo. John Beatty dit, ce que l'Africain sait de Dieu s'exprime par des proverbes, des courtes énoncées, des chants, des prières, des noms, des mythes et récits, des cérémonies religieuses, toutes ces choses dont je citais ci-dessus, sont faciles à garder en mémoire et à transmettre, car les sociétés traditionnelles ne possèdent pas d'écrits sacrés. Il ne faut donc pas s'attendre à trouver des longues dissertations sur Dieu. Vous comprenez, quand il n'y a pas de longues dissertations, c'est-à-dire beaucoup d'écrits, beaucoup de noms. Écrire, en fait, c'est pas mauvais, c'est un moyen de transmission de la connaissance, c'est pas mauvais avec l'évolution de la technologie, du monde, c'est pas mauvais. Mais essentiellement, dans toutes les traditions de l'Afrique subsaharienne, négro-africaine, on reçoit, en fait, on capte les choses de Dieu pour ce contexte par des chants, par des prières, par des cérémonies religieuses, par des mythes, par des proverbes, par des contes. Voilà, c'est ça, en fait, selon John Beatty. Parlons maintenant pour le deuxième point. Je pense que jusque-là, c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Je pense que jusque-là, c'est clair. Parce que le but est que le live soit bien compris par bon nombre de personnes. Parlons maintenant des évidences de l'existence de Dieu. Nous parlons de la notion de Dieu dans la tradition Congo. Comment la tradition Congo prouve en fait l'existence de Dieu?
les évidences de l'existence de Dieu. Parce que, comme vous le savez, il y a aussi les athées, en fait. Il y a aussi les athées, voilà. C'est une autre histoire, une autre histoire. Donc, pour le deuxième point, nous allons parler sur les évidences de l'existence de Dieu. Les Bakongo, le Congo, les Bessikongo, c'est la même chose. Placer Dieu au centre de toutes leurs activités. Donc, place Dieu, voilà, comprenez. Place Dieu au centre de toutes leurs activités. Ils désignent Dieu par le vocable général de Nzambi. Nzambi. On appelle Dieu Nzambi en Kikongo. En Lingala, on dit Nzambi. Mais quand on dit Nzambi là, ce n'est pas forcément Dieu. En fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est Dieu, bien sûr, dans notre cas, on parle qu'un Congolais, en fait, c'est un Congolais, par exemple, quand il dit Nzambi, directement, il pense à Dieu. Mais il faut savoir que Dieu, ce n'est pas le Kikongo. Dieu, c'est les Latins, c'est les Grecs. C'est une autre culture, en fait. C'est totalement différent, en fait. Voilà pourquoi je vous ai dit tantôt que la notion de Dieu, Dieu est un concept qui ne se définit pas forcément pour tout le monde de la même chose, non, de la même façon, non. Non. Dieu, c'est différent de Nzambi, en fait. Bien qu'on peut traduire Nzambi par Dieu, bien sûr, par commodité de langage, on comprend, mais au fond, en fait, si on veut avancer dans la connaissance, on veut comprendre la chose, Dieu n'a rien à voir avec Nzambi. Bien que ça peut parler de la même chose, mais profondément, c'est totalement différent, en fait. Je vais expliquer. Je vous ai dit que nous parlons de la notion de Dieu dans la tradition Congo. Dieu, dans la tradition Congo, là, je suis dans le deuxième point, évidence de l'existence de Dieu. Les Bakongo appellent Dieu Nzambi. Nzambi, qui, dans Nzambi, il faut savoir que, je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer, les Kikongo, en fait, les Kikongo est une langue, est une langue qui est subdivisée, en qu'est-ce que je veux dire? Le Kikongo est une langue qui est composée ou bien qui est constituée des sons. On dit même que c'est les sons de l'univers, en fait. Voilà pourquoi on dit les Nza, les Mbi, les Nga, les Mba, les Mbu, les Ngout, voilà. Ce sont en fait des sons. Ce sont en fait des sons, des vibrations de l'univers, en fait. Voilà pourquoi on dit que le Kikongo, ce n'est pas même une langue, c'est une métalangue. C'est-à-dire que ça vient du spirituel, en fait, de l'univers métaphysique, en fait. Vous comprenez? Donc, quand on dit Nzambi, il y a les Nza et les Mbi. Vous comprenez? Donc, quand on dit Nzambi, Nzambi, parce que Lingala, c'est la même chose avec Congo. Nzambi. On passe directement à Dieu. Si on est forcément chrétien, parce que la notion de Dieu dans le christianisme, on passe justement d'un père, de quelqu'un qui est assis sur son trône, en fait. C'est ça, en fait, le grand problème. C'est ça aussi, je vais dire. Bon, je ne veux pas dire comment je vais dire. Les mauvais côtés de la colonisation aussi. Parce que quand vous êtes colonisé, vous perdez, en fait, l'identité, quelque chose en vous, l'essentiel en vous, en fait. Bien que ça reste, mais vous les perdez, en fait. Donc, quand on parle de Dieu, pour un Africain, mais pour un Mukongo qui est chrétien, qui est christianisé, il va voir Dieu qui est assis sur le trône, assis, ainsi de suite. Or, que c'est pas ça. Quand on parle de Nzambi, comme je vous ai dit, il y a les Nza et les Mbi. Vous voyez, il y a les Nza et les Mbi. L'Enza, c'est justement l'image projetée. C'est l'image projetée, en fait. Vous comprenez? L'Enza, c'est l'image projetée. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, comme je vous disais, que le Kikongo est une langue qui est composée des sons de l'univers. Les sons A, c'est les sons de la manifestation visible. Les A, en fait. Parce que l'Enza, il y a aussi les Nzi. Les I, en fait, c'est le son qui est caché. C'est la manifestation invisible. Vous comprenez? Donc, quand on parle de Nzambi, l'Enza, c'est l'image. En fait, c'est l'hologramme. C'est l'image projetée, en fait. C'est le cosmos que nous voyons. En quelque sorte, c'est la projection. C'est l'illusion, en fait. Je vais dire, vous connaissez les bimes, les projecteurs, en fait. Quand vous projetez quelque chose, en fait, vous utilisez les projecteurs, en fait. Ce que vous voyez là, c'est les Nza. C'est l'image, en fait. C'est l'image visible. Et les Mbi, c'est l'énergie cachée. C'est le feu, en fait, invisible qui alimente les Nza.
vous comprenez? Donc, ça change directement la notion de Dieu dans la religion abrahamique, dans le christianisme, que nous pensons que Dieu, c'est quelqu'un qui est assis sur son trône et dirige, non. Rien à voir avec l'Nzambi. Donc, ici, quand on parle d'Nzambi, comme je vous ai dit que l'Nza, c'est l'image projetée, et l'Mbi, c'est l'énergie qui alimente ce Nza-là. Vous comprenez? Donc, on comprend directement que l'Nzambi signifie, quand on dit Nzambi signifie l'espace du feu intérieur, l'espace l'Nza et le feu intérieur, là, l'Mbi, qui alimente en fait l'Nza. Donc, tu en fais partie aussi. Voilà pourquoi on dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Dieu aussi est en nous. Enfin, nous faisons un avec lui. Donc ici, nous comprenons que nous déduisons que Dieu est un état de conscience. Quand on parle de Dieu, quand je dis pas de Nzambi, quand je dis Dieu pour comprendre en fait. Vous comprenez? Donc quand on parle de Nzambi, ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit quelque part là au paradis. Non, ça n'a rien à voir parce que la vision Congo de Dieu dont nous parlons est diamétralement opposé avec la vision gréco-romaine christianisée des dieux. Vous comprenez? Donc, Nzambi veut tout simplement dire l'espace du feu intérieur ou bien un état de conscience. Un état de conscience infini. Donc, Nzambi, c'est ce que nous voyons. Tout ce que tu vois en fait dans ton. Tout ce que tu vois en fait, y compris toi. C'est Nzambi en fait. C'est l'état de conscience qui est constitué de plusieurs choses dedans. Vous comprenez? Ça marie même avec, comment, avec la pensée égyptienne. Parce qu'il faut savoir que la tradition Congo vient aussi de l'Égypte. C'est la même tradition en fait. Vous allez comprendre quand on va en parler, quand on va avancer dans ces lives. Vous comprenez? Donc, quand on parle de Dieu, l'Nzambi, c'est tout ce que nous voyons. Salut mon frère Vitaboula. Quand on parle de Nzambi, c'est tout ce que nous voyons. L'Nza, c'est l'hologramme. C'est-à-dire que l'image envoyée, en fait, tout ce que nous voyons, en fait. L'Nza, quand je vous dis que l'Nza, les A, c'est la particule qui. En fait, c'est la particule, en fait, qui montre, en fait. C'est la manifestation dans la langue Congo. Quand on dit A, les A, c'est la manifestation de la chose. Et puis les I, c'est ce qui est caché. C'est comme ça. Et puis le ou, ou bien le o, c'est ce qui est ondulatoire, c'est ce qui est onde, c'est ce qui est en mouvement, en fait, qui vibre, en fait. Vous comprenez? C'est très important. Donc, les sons A, les sons I, les sons O, ce sont, en fait, des sons cosmiques qui ont des manifestations. Les sons A, c'est le son qui est manifesté, en fait. Les sons I, c'est le son qui est caché. Voilà pourquoi dans l'Inza, quand je vous ai dit que c'est l'image projetée, en fait. C'est la projection de la chose, du cosmos. Et puis, les Mbi, c'est le feu intérieur, c'est l'énergie qui alimente, en fait, l'Inza. Vous comprenez? Donc, c'est totalement différent avec la notion de salut mon frère Eric Abassé, au TEP. C'est totalement différent avec la notion chrétienne de Dieu. Quand je vous ai dit que quand un Congo, ou bien un Africain, un Congo pour ce cas, est chrétien, quand on parle de Dieu, il dit Nzambi, mais dans sa conception, dans son mental, il ne pense pas ce que je suis en train de dire ici, en fait. Il ne pense pas selon ce que la tradition Congo dit que le Nzambi, c'est l'état de conscience, c'est l'espace du feu intérieur. Lui, il pense que Dieu, le Nzambi, c'est quelqu'un qui est assis sur son trône, il dirige, en fait, un être anthropomorphique, un Dieu personnalisé, en fait. C'est ça, en fait, les grands problèmes. Voilà pourquoi, tantôt, je vous ai dit que Dieu est un concept. Dieu est un concept qui peut se définir à plusieurs façons, selon comment tu as reçu la chose. C'est un concept, en fait. C'est un concept qui n'est pas forcément commun à tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, je pense que jusque-là, c'est clair avec les Nzambi. Donc, Nzambi, quand on parle de Nzambi, Dieu, Nzambi, ce n'est pas Dieu comme on peut voir, en fait, selon la tradition chrétienne, en fait. Parce que la tradition Congo, la notion de Dieu dans la tradition Congo, ça n'a totalement différent avec ce que parlent les religions abrahamiques, en fait. Donc, il faut comprendre que Nzambi, là, nous sommes en train de parler des évidences de l'existence de Dieu. Nzambi, c'est l'espace du feu intérieur, en fait, l'état de conscience. Donc, tu en fais partie aussi. Donc, les êtres humains font partie aussi. Voilà pourquoi nous sommes des dieux. Parce que, en fait, qu'est-ce que je veux dire? On ne peut pas être séparé des dieux. C'est impossible. C'est totalement impossible que tu te sépares de Dieu. C'est impossible. Malheureusement, comme je vous ai dit, que toutes tes perceptions, en fait, dans la conception chrétienne, quand la chose ne va pas dans ta vie, voilà, c'est notre mentalité chrétienne, par exemple,
tu vas dire que Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné. Ok, c'est impossible. Voyons seulement ce que je suis en train de dire ici avec la notion de la tradition Congo, avec le Nzambi. En fait, tu joues le jeu, tu es à l'intérieur de la chose, parce que tu es dans le Nzambi, c'est l'état de conscience en fait. Tu en fais partie. Voilà pourquoi on dit que vous êtes des dieux. Dans la Bible, on dit dans Psaume 82, permettez-moi de prendre cette comparaison, parce que c'est toujours important d'en parler aussi, par souci des autres personnes pour comprendre la chose. Donc, nous sommes des dieux, en fait, parce que nous venons des dieux, nous faisons partie, on fait partie des dieux. On est dans les Nzambi. On va les voir même quand je vais parler sur la constitution de l'être humain. Quand nous avons 9 corps, bien sûr, corps, âme, esprit, ben, les 9 corps-là, ce sont en fait les mbis qui sont en nous, les forces spirituelles qui sont en nous, en fait. Nous sommes des Nzambi, en fait. Nous sommes des dieux, des petits dieux, en fait. Vous comprenez? Nous faisons partie de cela. Donc, Dieu ne peut pas nous abandonner, c'est impossible. Mais tout passe par la perception de la chose. Parce que tu définis ta vie, ou bien tu définis ta spiritualité par rapport à ta conception de la chose. Tu donnes sens à la vie par rapport à comment tu vois la vie. Comment tu vois la chose, en fait. Une chose peut être mal pour quelqu'un, pour l'autre personne, c'est bien, ou bien c'est une opportunité, c'est une leçon, c'est un apprentissage pour lui, ainsi de suite. Donc, tu définis ta vie, tu donnes sens à des choses, par rapport à ta conception de la chose, qui peut être différente de l'autre personne. Vous comprenez? Donc, j'avance, entre-temps, je vais lire les commentaires. Voilà, mon frère Mvitabou l'a dit, El Mba, c'est la manifestation physique du Mbi. Mon fils s'appelle Semba. Voici le C, manifeste physique de l'absolu, le Dieu Mbi. Exactement, c'est ça. Donc, le Kikongo est une langue, comme je vous ai dit, que c'est une métalangue. C'est une langue qui est composée des sons de l'univers, les Mba, les Mbi, les Ngou, les voilà, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, la beauté aussi de la chose. Donc, évoluons. Donc, nous sommes dans la deuxième partie des évidences de l'existence des dieux. Donc, maintenant, la tradition Congo, par rapport à Dieu, dit ceci. Il a en fait deux visions de la chose par rapport à la connaissance des dieux. Parce que quand on parle de Dieu, de Nzambi, le but c'est quoi? C'est connaître Dieu en fait. Le but c'est la connaissance des dieux. D'où la raison d'être des religions. D'où la raison d'être même de nous, les êtres humains sur terre. De connaître en fait qui est Dieu, qui est cet être-là. Quand nous voyons l'univers, quand nous voyons tous les mystères en fait, on se pose la question, mais d'où viennent toutes ces choses en fait? Comment le soleil apparaît, comment il y a les éclipses, comment ça se passe tout cela. Donc on se pose directement la question qu'il y a une intelligence supérieure quelque part qu'on appelle Dieu. Voilà, on peut appeler Dieu, Nzambi, Tao, Brahma, tout ce que vous voulez en fait. Mais du moins, il y a une évidence que Dieu existe. Voilà, on peut pas forcément dire Dieu, mais en nous, en fait, il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a une force en fait qui organise toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, en fait. Comment il y a la nuit, il y a les jours, il y a la nuit, les jours. Comment expliquer tout cela? Donc, tout cela amène le Congo, le Mkongo, pour ce cas, parce qu'on parle de la notion de la tradition Congo, de parvenir à la connaissance de Dieu. Dans la vision Congo, on dit que l'être humain peut connaître Dieu, il ne peut pas aussi connaître Dieu. J'explique. Je pense que c'est clair jusque-là. On avance. Premièrement, on dit que l'humain peut connaître Dieu. Comment? Le fait même de l'existence des écoles initiatiques où l'on apprenait les savoirs religieux, mais spirituels, prouve que l'homme Congo, le Mukongo, croyait à la possibilité d'atteindre la connaissance des dieux, qui est même la raison des religions, comme je vous ai dit. Mais restons dans la tradition Congo des dieux. Voilà. Donc, l'humain peut connaître que Dieu dans le sens où le fait même de l'existence des écoles initiatiques spirituelles où l'on apprenait les savoirs religieux prouve que l'être humain, donc le Mkongo, le Congo, croyait à la possibilité d'atteindre la connaissance des dieux. Dans la société Congo, il existe 4 écoles initiatiques. 4 écoles initiatiques. Il y a les Lemba, les Kimpasi, les Bwelo et les Kikimba. L'initié apprenait aussi les connaissances humaines. L'initié, c'est celui qui vient pour connaître la chose. Qui accède à l'initiation, c'est quelqu'un qui adhère. L'initiation, c'est quand tu t'adhères, en fait, tu deviens initié. On t'initie à des choses pour, en vue de ton évolution. Il y a des niveaux, en fait. Vous comprenez? Donc,
Je disais, l'initié apprenait aussi les connaissances humaines, bien que celles de Dieu conditionnaient tout, parce que Dieu, c'est l'unique réalité, en fait. Et puis, les autres sont des résidus, en fait, parce que tout est Dieu. Tout est Nzambi. Voilà, tout est Nzambi. Les Mukongo, les Besikongo, les Congo, c'est à merveille de l'existence de Dieu, à la vision des éléments, des phénomènes, de la nature, qui pour eux révèle la grandeur de Dieu. Quand je dis que quand on voit l'univers, la terre, les manifestations, on voit dans les Nza, ce que les Mbi fait. Parce que ce que nous voyons, c'est l'alimentation du Mbi, en fait. C'est ça Nzambi. C'est ça Dieu, en fait. C'est ça Nzambi. Et c'est l'état de conscience, en fait, qui vibre, qui organise tout cela, dont nous faisons aussi partie, nous les autres humains, nous faisons partie, au même titre que tous les règnes, les végétaux, les animaux, les plantes, donc tout ce qui constitue en fait la création, tant visible qu'invisible, c'est Nzambi. Les Lemba, les Kimpasi, les Bwelo et les Kikimba, ce sont les quatre écoles initiatiques de la tradition Congo, chez les Besikongo, chez le Bakongo. Donc, les Lemba, les Kimpasi, les Bwelo et les Kikimba. Vous comprenez? Voilà. On avance. Donc, je disais que les Besikongo, le Mukongo, c'est merveille de l'existence de Dieu par rapport à ce qu'ils voient. Quand je dis que par rapport à ce qu'ils voient, ils voient dans l'Inza. Comment l'Inza est organisé? Comment l'Inza vit? C'est grâce au Mbi, grâce au feu intérieur là, l'état de conscience là. Les Bwelo et les Kikimba, Bwelo, voilà. On avance. Donc, l'être humain est émerveillé. Bon, les Mukongo, voilà, les Mukongo, l'être humain, bon. Les Mukongo est émerveillé par, parce qu'on parle de la notion de l'intention Congo. Donc, les Mukongo est émerveillé par la grandeur de Dieu, par les manifestations dans la création. Quand ils voient les pluies, les animaux, l'être humain, tous ces mystères-là, tous ces merveilles de la création venant de Nzambi, de Dieu, cela pousse les Mukongo, l'être humain, à connaître Dieu. Je vous ai dit qu'ici, selon l'évidence de l'existence de Dieu, l'être humain peut connaître que Dieu, peut aussi ne pas connaître que Dieu. Mais là, nous sommes ici par la connaissance de Dieu. Donc, on a compris que quand nous voyons les phénomènes physiques, les phénomènes naturels, on comprend que il y a quelque chose derrière, en fait, qui fait tout cela, dans l'Inzambi. Salut, maman. Salut maman. Donc, il y a les animaux, comme je vous ai dit, il y a la mer. La mer, on va en parler quand on va parler sur Dieu précisément. On va définir en fait Dieu dans la tradition Congo en fait. Il y a les animaux, les chats, on va parler sur les chats en fait. Qui est les chats dans la tradition Congo? Vous devez comprendre en fait, les chats jouent un rôle très, très capital. La mer qu'on appelle le Kalunga. C'est une divinité aussi. C'est l'un des attributs aussi de Dieu important. La mer, on parle Kalunga, par son immensité. Quand les Mukongo voient la mer, ils voient l'immensité. Les vagues refoulant l'impurité démontrent l'infinitude de Dieu, la pureté de Dieu. Donc, quand un Mukongo voit la mer, l'eau, il voit en fait l'immensité, les vagues refoulant l'impurité. Il voit Dieu directement parce que Dieu, il est dans toutes choses. Dieu est dans toutes choses, en fait. Tout est Dieu, en fait. Vous comprenez? Tout est Dieu. Même dans l'hibou, Dieu est là, en fait. C'est la manifestation de Dieu, l'hibou, en fait. Même les chats. Quand tu vois les chats, dans notre notion chrétienne, on chasse les chats, on a des chaises, on a des... Ok. Les chats, c'est Dieu, en fait. C'est même la divinité importante, en fait, qu'on va en parler bientôt, tout à l'heure, là, en fait. Vous comprenez? Donc, tout est Dieu, en fait. Donc, le Mukongo, l'être humain, est émerveillé par les manifestations de Dieu. C'est là qui le pousse à connaître Dieu. Vous comprenez? Aussi, la tradition qu'on dit, dit aussi que quand les gens parlent, quand il y a un silence brusque, on dit que c'est Dieu qui est passé par là. C'est Dieu qui est passé par là. Le Mukongo croit en ça, en fait, que Dieu venait de passer. L'évidence de Dieu dans les Besikongo, les Bakongo, les Mukongo, trouve Dieu plus dans les bons phénomènes, en fait, qui passe dans sa vie, en fait. Il trouve, en fait, Dieu par rapport à cela. Mais quand il y a la destruction, la désolation des choses, les Mukongo, en fait, s'écrit Kaoula. Kaoula, en fait, c'est-à-dire que ce sont les choses qui sont venues contre lui. Il dit directement, il pense directement à une force contraire à Dieu. Dans ce cas, qu'on appelle, en fait, les diables, dans la tradition, dans les traditions abrahamiques, christianisme, islam et judaïsme. La tradition Congo l'appelle
le diable nkadi apemba, nkadi apemba, nkadi apemba. Nkadi apemba, en fait, pour le définir plus, c'est-à-dire quoi? Nkadi apemba, c'est ce que j'ai compris, en fait, c'est... Il y a, comme je vous ai dit, que le Kikongo est composé de sons, de syllabes, en fait. Dans les Kadia Pemba, il faut comprendre qu'il y a le mot Pemba. Pemba qui renvoie à la pureté, à la blancheur, en fait. Et puis, le Nkadi, Nkadi ici, en fait, c'est la chose, en fait, ça renvoie, en fait, à comment? À manger, à dévorer, en fait, la chose. Donc, le Kadia Pemba, le diable, pour ce cas, c'est quelqu'un qui vient pour te soutirer l'énergie, en fait. Soutirer ton énergie, te dévorer, en fait. Te sucer, en fait. C'est une source de vampire. C'est ça, en fait, Kadia Mpemba. L'essence du Kadia Mpemba. Dans les diables. Donc, c'est comme ça que les Mukongo voient, en fait, la chose. Donc, il peut aussi dire que c'est par rapport aussi à la punition infligée par les ancêtres vivants, par les ancêtres saints, suite à la désobéissance de quelque chose. Parce qu'il faut savoir que tout acte comment est suivi par une récompense, soit mauvaise, soit bonne, par rapport à l'acte que tu as fait. Vous comprenez? Donc, à part les phénomènes naturels, à part tout ce que nous venons de dire, les animaux, la mer, tout ce que nous venons de dire, Dieu aussi se manifeste, ou bien Dieu incarne son autorité aussi sur terre, parce que nous, quand on vit sur terre, nous sommes d'accord, par quatre moyens, c'est-à-dire quatre personnes, excusez-moi, il y a les Nganga. Je vais expliquer les Nganga, les parents, les aînés, donc Yaya, les aînés, les grands frères, les grandes sœurs, et les Bisimbi, les anges. Kadi vient du verbe Kudi à manger exactement. Adi, c'est le dieu de la lumière même du manger. Kadi Pemba, vient de loup Pemba, manger le Pemba, étoile blanche, exactement c'est ça. Voilà, Kadi Pemba, voilà. C'est les vampires en fait, les dévoreurs de l'énergie, voilà. Voilà, donc je disais que, à part les phénomènes naturels, à part tout ce que nous venons de dire, mais Dieu se manifeste par manifeste son autorité, selon la tradition Congo, par ces quatre personnes en fait. Parce que les Mukongo, on vit sur terre, nous sommes d'accord, nous sommes terrestres, nous sommes encore sur la terre. Nous parlons en fait de notion de Dieu dans la tradition Congo. Il y a les Nganga, il y a les parents, les aînés, dont les Yaya, et les Bisimbi, dont les anges. Expliquons maintenant qui sont les Nganga. Comme je l'ai dit toujours que la colonisation vraiment nous a fait beaucoup de mal. Voilà, nous tous en fait, moi y compris. Donc il faut vraiment changer de mentalité. Quand on parle d'un Nganga, un Nganga directement, pour un Africain, comme je l'ai dit que nous avons perdu en fait nos repères, nos mythes. On est sans identité en fait. Pourquoi? Parce que la colonisation par le christianisme et le judaïsme, je ne refuse pas en fait ces religions-là, parce que moi aussi je suis né dans les voies du christianisme, je comprends, mais sans prétention par mon esprit libre, hein, voilà quoi, c'est pour cela que j'essaye un peu d'étudier d'autres cultures pour comprendre en fait la chose. Donc je parle de la tradition congolaise en fait, bien que j'ai des sources chrétiennes par mes convictions, mais ça n'empêche pas de comprendre aussi qu'est-ce que la tradition congo parle en fait, parce que comme je vous ai dit que Dieu ou bien l'univers, ce sont des concepts. C'est pas forcément ce que les chrétiens pensent de Dieu. C'est différent de ce que les Mukongo pensent de Dieu. Faut comprendre. Donc, je disais que, quand on parle du Nganga, un Mukongo pour ce cas, ou bien un Mulouba, un Africain lambda, qui est chrétien, il va directement penser que c'est un féticheur. C'est quelqu'un de maléfique, en fait. C'est ça, en fait, les grands problèmes. Salut, mon frère Moïse. C'est ça, en fait, les grands problèmes. Parce qu'on a perdu nos mythes. On a perdu nos langues. Malheureusement, nos langues, nos traditions ne sont pas, ne sont pas suffisamment enseignées dans nos écoles. Nous perdons, en fait, nos valeurs. On ne connaît absolument rien de nos traditions, en fait. On ne connaît absolument rien. Je suis Mulouba, mais bien sûr, par mes recherches, je fais l'effort de connaître, en fait. Je suis Mulouba, mais je m'intéresse aussi à la tradition Congo parce que c'est la tradition africaine. Vous comprenez? Mais je connais plus le christianisme et la Bible, mais forcément, ce n'est pas ma tradition, en fait. Parce que le christianisme, c'est la tradition des Européens, en fait. Je suis pas en train de faire ici, les séparatismes, mais je suis en train de fixer, en fait, les choses. Vous comprenez? Donc voilà. Je disais quoi? Ici, je vais fixer, en fait, ce que je viens de dire. Je rappelle en fait, voilà, pour remettre les bases. Nous parlons sur la notion de Dieu dans la tradition Congo.
subdivisé en trois parties. J'ai parlé sur les sources de la tradition, de la théologie Congo. Et puis là, je suis en train de parler sur les évidences de l'existence de Dieu, de la tradition Congo. J'ai parlé du Nzambi. J'ai défini Nzambi, en fait. Comment les Bakongo appellent Dieu Nzambi? Je dis que Nzambi, ce n'est pas Dieu, forcément. Comment un chrétien peut voir Dieu par rapport à qu'il est assis sur le trône, tout ça, un être qui peut être forcément anthropomorphisé à une personne. Mais Nzambi, c'est un état de conscience. C'est l'Nzambi, c'est l'Nza que nous voyons, le cosmos, l'Nza. Et l'Mbi, c'est l'énergie, en fait, le feu intérieur. Donc Nzambi, c'est l'espace du feu intérieur. C'est l'état de conscience. Donc on en fait partie aussi. Parce que nous sommes aussi des Nzambi. Dieu est en nous, nous sommes aussi des dieux. Vous comprenez, voilà. Donc je disais que par rapport à l'évidence de l'existence de Dieu, dans la tradition, quand on dit que l'être humain, le Mukongo peut connaître Dieu, peut aussi ne pas connaître Dieu. Là, je suis en train de parler sur l'être humain peut connaître Dieu par rapport aux phénomènes naturels. On en parlait sur la mer, les animaux, ainsi de suite. Et puis, là aussi, je suis en train de dire, par rapport à la manifestation de l'autorité de Dieu au travers certaines personnes sur terre. Je parlais de Nganga. Les parents, les aînés et les bisimbi. Nous sommes en train de parler de Nganga. Voilà. Un Nganga, comme je le disais, quand on parle de Nganga, on voit directement féticheur. Mutakisi, Kindoki, non. Rien à voir avec ça. Même les Kindoki, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Rien à voir avec les Kindoki. Juste une parenthèse, c'est la tradition multidimensionnelle c'est la connaissance, en fait, des choses. Comme la connaissance est neutre, si ça tombe chez une personne qui est maléfique, en fait, il va en abuser. C'est ça, en fait, les grands problèmes. Donc, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Voilà. C'est toujours important de regarder les choses parce que, voilà. Tout cela, c'est la colonisation qui nous a fait croire que les Kindoki, voilà, vous connaissez l'histoire. Donc, je disais que les Nganga, ce n'est pas forcément les féticheurs. Les Nganga, c'est les prêtres traditionnels. Comme, Ndele l'a dit que Nganga c'est un savant, Nganga qui c'est un médecin, Munganga. Vous comprenez donc, les Nganga c'est les prêtres traditionnels. À ne pas confondre avec les féticheurs. J'explique. Nganga, quand je vous disais que un mot Congo est toujours à prendre toujours avec avec un œil vraiment très savant. Pourquoi? Parce que Chaque son du Kikongo est important, en fait. Quand on parle du Nganga, le Nga, la particule Nga, le son Nga est dédoublé, en fait. Est dédoublé. Le Nga, en fait, c'est la connaissance des Ga. Ga, G-A. Ga, c'est quoi? Ga, en fait, dans la tradition, c'est la queue de l'eau. C'est un autre sujet, en fait. C'est la queue de l'eau qui renvoie, en fait, avec les eaux primordiales, en fait. Les eaux primordiales, les eaux de la connaissance, tout cela, en fait. L'archétype des choses. Donc, les gars, c'est les fluides primordiales qui règnent dans les archétypes des choses des premiers temps. En Égypte, on parle de Noun. Les eaux primordiales, en fait. Avant même le commencement des choses. Avant même le Big Bang. Parce que le Big Bang, en fait, si on comprend bien dans la tradition égyptienne, Kemet, africaine, le Big Bang, en fait, c'est... On peut l'assimiler... Reprenez-moi si je dis des bêtises. Le Big Bang, en fait, c'est Atum Ra. C'est Atum Ra, en fait. Que la lumière soit, boum. C'est ça que la Bible, quand la Bible dit que la lumière soit, c'est le Big Bang. C'est ça, en fait. Vous comprenez? Salut, mon frère Baraba. Le Big Bang, c'est Atum Ra. Donc, avant même que la lumière soit là, il y a les eaux primordiales. C'est ça, en fait, les gars du Nganga. Parce que le Nganga est la connaissance du gars. Donc, un Nganga, c'est la personne qui connaît les choses. Qui connaît les choses, en fait. Un Nganga, c'est l'être qui saisit les mystères, en fait. Les mystères des choses anciennes. Les choses, en fait, du commencement. Avant même la manifestation, en fait. Vous comprenez? Donc, un Nganga, il est doté de vastes connaissances de la nature. Pourquoi? Parce que, quand je vous ai dit que les gars vient du gars, les gars qui en fait la queue de l'eau, qui en fait c'est les eaux primordiales, qui a pour but en fait la manifestation des choses. Vous comprenez? Donc parce que au commencement c'était les eaux primordiales, avant même que la lumière soit, avant même que les Big Bang, il y avait c'est l'eau primordiale, en fait. Vous comprenez? Donc quand on dit que la lumière soit, c'est le Big Bang, c'est la Toumra. Atum, c'est
Atome, c'est quoi? C'est l'atome. C'est ce qui est encore indivisible. L'atome, c'est ce qui est indivisible, en fait. Faut comprendre. Donc, voilà pourquoi on parle de tome 1, tome 2, Thomas, comment? Thomas Didim, Thomas les jumeaux. C'est la séparation, en fait. A, c'est ce qui est privatif. Et puis, tome, c'est ce qui est divisible. Un atome, c'est ce qui est encore indivisible, en fait. C'est ça, atome. Quand on dit atome, au commencement, c'est atome. Donc, Dieu, dans la pensée africaine, en fait. Atome. Quand on dit atome, ra, c'est le soleil. Parce que atome, l'atome doit se manifester, en fait. C'est le Big Bang. Mais avant le Big Bang, il y avait les gars, il y avait les eaux primordiales, les noun. Vous comprenez? Voilà, les gars, voilà, nga. Donc, un nga, c'est celui qui a la maîtrise, en fait, du gars. À la maîtrise des mystères, de la connaissance de la nature. Parce que les gars, les eaux primordiales, doivent se manifester dans la nature. Vous comprenez? Je pense que c'est clair. J'ai fait vraiment mon effort pour me faire comprendre. N'hésitez pas à poser des questions, bien à contredire. Voilà. C'est un partage. Vous comprenez? Donc, je disais que ici, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans les évidences de l'existence de Dieu. L'humain, le Mukongo, pour ce cas, peut connaître que Dieu, par les phénomènes de la nature, comme je vous ai dit, avec les Nzambi et tout cela, aussi par ces quatre personnes dont je suis en train de dire, premièrement, les Nganga, qui sont les prêtres traditionnels, ne sont pas forcément les féticheurs. Un Nganga n'est pas forcément féticheur. Mais un Nganga peut basculer aussi au fétichisme, comme je vous ai dit que, quand on possède la connaissance, c'est neutre. Par rapport à ton état de cœur, en fait. Tu peux en abuser parce que la connaissance est un. Le principe n'est qu'un, en fait. Il n'y a pas deux principes. Les lois sont là, en fait. C'est ça, en fait. Mais un Nganga, dans la conception Congo, c'est celui, c'est un prêtre traditionnel. C'est celui qui a la connaissance, des fois, c'est connaissance de la nature. Il maîtrise la vie. Il maîtrise, en fait, la vie. Un Nganga. Voilà pourquoi un Nganga peut guérir. Il peut guérir. C'est ça, en fait, ce que nous devons comprendre. Deuxième personnalité, par rapport à l'incarnation de l'autorité de Dieu sur terre, à part les Nganga, il y a les parents. Les parents, dans la tradition, comme on dit que c'est Nzambi en toto, c'est-à-dire que ce sont les dieux sur terre. Voilà pourquoi on dit que les parents sont Nzambi, c'est. Voilà, c'est Nzambi en toto. Toto, c'est la terre, en fait, la mère terre. Donc, Nzambi, les envoyés de Dieu sur la terre. Donc, par nos parents, c'est, en quelque sorte, c'est Dieu leur a légué son pouvoir, en fait. Voilà pourquoi nous venons, nous sommes incarnés au travers de nos parents, d'où nous devons faire révérence, en fait. Parce qu'un parent peut être maudit, ou bien peut être, voilà, c'est comme ça, en fait. Parce que Dieu se manifeste, selon la tradition Congo, Dieu se manifeste aussi par les parents, à part les Nganga, aussi par les parents, c'est Nzambi en toto. Ce sont les dieux sur la terre. Donc, un parent, ton père, ta mère, ce sont des dieux, en fait, manifestés. Parce que Dieu, tu ne vois pas. Dieu, comme il est autorité, il est pouvoir, il lègue une partie de son pouvoir chez tes parents, en fait. Donc, nous devons faire plus de référence à nos parents parce que nous venons sur terre grâce à nos parents. C'est très important, bien que nous sommes des âmes individualisées, mais nous nous incarnons grâce à eux. C'est très important parce qu'un parent a la possibilité d'être maudit ou bien d'être béni parce qu'il est Dieu. Il a reçu le mandat de Dieu. C'est lui qui t'a fait donner la vie, en fait, sur terre. C'est comme ça, c'est ça le principe. Troisième personne, c'est les aînés. Non, les yaya, les aînés. Dans la société, on dit que l'aîné peut trébucher, mais il ne doit jamais tomber. Voilà pourquoi un aîné a toujours, doit être respecté. Par ses ses petits frères ou ses petites sœurs. Donc, un aîné aussi est un dieu, a un pouvoir sur toi, a un pouvoir sur ses petits, en fait. Vous vous rappelez l'histoire des droits d'aînesse. C'est très important, il faut comprendre. Ce sont les lois spirituelles, les principes que Dieu a établis ainsi. Quatrièmement, il y avait cinq, en fait. Les Nganga, les parents, dont les saints, bien Toto, les aînés, dont les Yaya. Et puis, quatrièmement, il y a ce que nous appelons, en fait, en Kikongo, les Nkuku Nyungu. Nkuku, c'est Koko. C'est les ancêtres. Nyungu. Bon, Nyungu, je ne sais pas si un Mkongo, si vous savez Nyungu, ça veut dire quoi. Mais en gros, les Kuku Nyungu, ce sont les ancêtres parfaits. On va dire, ce sont les hommes qui sont réalisés, en fait. Donc, les ancêtres parfaits. Par rapport à notre plan terrestre, les ancêtres. Voilà pourquoi dans la tradition congolaise, dans la tradition africaine, on parle plus sur le culte des ancêtres.
C'est très important, l'équipe des ancêtres, en fait, réveiller les ancêtres et tout cela, c'est très important. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis que la tradition congolaise, la tradition africaine n'a rien à voir avec les religions abrahamiques, rien à voir. Quand un Africain traditionnel invoque les ancêtres, il ne faut pas les juger, toi étant chrétien, tu ne peux pas les juger. Tu ne peux pas les juger, en fait, parce qu'il est dans sa culture, il est dans sa tradition, en fait. C'est ça ce que nous devons comprendre. Vous comprenez, c'est ça que nous devons comprendre en fait. Donc il y a les Nkukunyungu dans les ancêtres parfaits par rapport à notre plan terrestre, les personnes qui se sont élevées en fait, qui se sont réalisées. Vous comprenez, c'est ce que nous devons comprendre. Enfin, il y a aussi les Bisimbi dans les anges, les êtres de la nature en fait, les Bisimbi dans les anges qui se manifestent au travers aussi des quatre éléments. Parce que les quatre éléments ont aussi les êtres qui les alimentent, en fait. Il y a l'eau, il y a les bisimbi, il y a maza, de l'eau, il y a quoi, moupépé, l'air, et quantoto, les gnomes, qu'on appelle les gnomes, il y a les salamandres avec l'air, la terre, ainsi de suite. Donc les bisimbi dans les anges. Qu'on peut les percevoir par, au travers des visions diurnes et ou bien nocturnes. Vous comprenez donc. Voilà. Donc là, c'était les évidences de l'existence de Dieu par rapport à la tradition Congo. Premier point, l'humain peut connaître Dieu. Mais l'humain aussi ne peut pas connaître Dieu dans le sens où, avant d'aborder le deuxième point de l'existence de Dieu, je vais un peu lire les commentaires. Moïse Chadak dit, un doc qui vient de Ndok, même racine qui est doc en français, un doc qui est un docteur, savant de la connaissance dans la tradition. Dans la tradition, je vais répondre à Maman Ndélé, là, il a envoyé une invitation. Je lis d'abord le commentaire. Dans la tradition, comment un Ndoki est une personne qui incarne un degré élevé de la connaissance, nous sommes appelés à être des Ndoki. Voilà. Exactement. Maman Ndélé, là, a envoyé une demande. Je vais essayer de l'accepter. Donc, quand je disais, voilà. Vous n'avez pas, j'ai accepté. Je ne sais pas si ça va passer. Voilà, j'ai accepté la demande. Maman Ndélé, là, je ne sais pas, tu peux envoyer encore, parce que je ne sais pas. Voilà, donc, je pense que jusqu'à là, c'est clair, par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Nous avançons. L'humain ne peut pas connaître aussi Dieu. On a parlé que l'humain peut connaître Dieu. L'humain aussi ne peut pas connaître Dieu. Dans quel sens? Il y a un proverbe congolais qui dit, là, je vais paraphraser, on dit que ne cherche pas Dieu. Il est invisible. Ici, le Congo est convaincu de la nature spirituelle incorporelle de Dieu, la transcendance de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que l'humain ne peut pas connaître Dieu. Mais on peut aussi connaître Dieu avec tout ce que je suis en train de vous dire, avec les phénomènes naturels, avec les personnages que je suis en train de... J'ai épinglé sur les Nganga, les Yaya, les parents, les anges, ainsi de suite. Voilà. OK. Donc, l'humain ne peut pas connaître Dieu dans le sens où on ne peut pas chercher Dieu car il est invisible, en fait. Dans le sens de Dieu, c'est invisible. Dieu est invisible, en fait. Mais on le voit par rapport à Nzambi. Quand je vous dis que Nzambi, c'est ce que nous voyons, puis l'Embi, c'est ce qui alimente Dieu. Voilà. Mais Dieu, vraiment, il est néant. On le voit pas, en fait. Voilà, on peut pas le connaître. Vous comprenez, en fait, c'est ça. C'est les manifestés et les non-manifestés. Voilà, c'est clair. Maintenant, passons au dernier point. Après avoir parlé sur les sources de la théologie Congo, de l'étude de Dieu selon la tradition Congo, les évidences de l'existence de Dieu, nous allons maintenant parler sur le dernier point. Là, vraiment, c'est le cœur du sujet où nous allons parler en fait de Dieu. Comment la tradition Congo, comment le Congo perçoit Dieu en fait. On va voir en fait, Dieu, il est qui exactement selon la pensée Congo. Voilà. Quand je vous ai dit tantôt que Dieu, pour dire Dieu en quiconque, on dit Nzambi. Nzambi. Qui dessine en Kikongo trois concepts principalement. Il y a le concept de l'être suprême. Quand en Kikongo dit Nzambi, il pense à un être suprême. Comme je dis, un être qui chapeaute toutes choses. Deuxièmement, c'est le concept de la manifestation de cet être suprême. Comme je vous l'ai dit, l'être suprême est là. Il est invisible, il est néant. On ne le connaît pas encore, mais il doit se manifester en fait. Pour se voir. C'est ça même la finalité même de la création. Dieu a créé pour qu'on le perçoive, pour qu'on le voit en fait. Vous comprenez, Nzambi, c'est ça en fait la chose. Et puis dernièrement, c'est le concept de la religion, purement religieux en fait. Religion, voilà, religieux et relié, spiritualité si vous voulez. Donc, il y a trois
concept principal par rapport à Dieu dans la tradition congolaise. On dit que Dieu c'est Nzambi. Premièrement, c'est le concept de l'être suprême, celui qui supporte toutes choses. Cet être suprême là qui supporte toutes choses, qui n'est pas, qui est encore incommensurable, ineffable, méconnaissable, il doit maintenant se manifester pour qu'on le voie avec la création, Nzambi, Nzambi, je vous ai expliqué suffisamment. Et puis le concept de la religion, de la spiritualité, qui pousse maintenant au Mukongo, à l'être humain, de connaître que maintenant Dieu, il part dans l'initiation, il adhère à une religion, il fait des recherches, voilà quoi, c'est dans ça. Ok. Nous allons parler plus de noms de Dieu dans la tradition Congo, les noms de Dieu en fait dans la tradition Congo. Nous allons comprendre vraiment qui est Dieu exactement pour ce cas dans la tradition Congo. Je pense que jusqu'à là, c'est clair. Voilà, il n'y a pas de questions, je pense que c'est clair. Merci pour votre disponibilité. On avance. Dieu, on a dit que Dieu dans la tradition Congo, en Kikongo, c'est Nzambi. On a expliqué justement Nzambi, on est d'accord. Mais il n'y a pas seulement Nzambi. Nzambi, c'est un nom générique, c'est un terme générique en fait, pour signifier Dieu. Mais il y a aussi, en réalité, on va en parler en conclusion en fait. Le Mukongo, à part appeler Dieu Nzambi, mais précisément, pour parler de Nzambi selon la tradition Congo, on dit Nzambi Mpungu Tulendo. Nzambi Mpungu Tulendo. On va expliquer Nzambi Mpungu Tulendo. Il parle plus de Nzambi Mpungu Tulendo. C'est ça en fait Dieu dans la tradition Congo, Nzambi Mpungu Tulendo. Il y a aussi Kalunga, je parle de Kalunga avec la mer, quand je parle sur les évidences de Dieu par rapport au phénomène naturel, la mer en fait qui définit l'immensité de Dieu et comment le refoulement des impuretés, parce que la mer est là pour refouler les impuretés. Il y a une invitation là, voilà, je vais accepter, voilà, vous voyez, accepter une invitation de madame Ndélé là, elle va contribuer à notre élève, comme c'est un partage. Voilà. Donc, je disais, j'ai accepté mon délai là. Donc, je pense que ça, si la connexion ne fait pas défaut, ça va aller. Voilà. OK. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, bonjour. Voilà. Enfin, c'est passé. Comment vous allez? Ça va. Heureux de vous voir, de te voir. Permettez-moi de vous tutoyer, Voilà. Ça. Voilà. Comment tu vas? Ça va, on est là, il pleut à Kinshasa. Oui, nous aussi, ici, il pleut en fait, mais ça va maintenant. Ouais. On voilà, vous écoute. Quand tu disais, en fait, le colon a fait en sorte qu'on lâche toutes nos traditions, pour accepter les leurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On a vulgarisé tout ce qu'on faisait. C'est d'où ça vient, parce que quand tu parles de Kisimbi ici, je pense qu'ils disent que c'est un fantôme. C'est un fantôme, voilà, quelqu'un de magnifique, voilà. Alors, exactement, de la même façon. Mais j'ai posé la question à quelqu'un. Moutouro, c'est lui qui fait les médicaments traditionnels, là, on l'appelle comment? Nganga Kisi, quoi. Oui, mais Nganga Kisi, Nganga. Bon, si Nganga, c'est déjà péjoratif. Alors, en Lingala, le vrai Lingala, on parle de Banganga Nzambe. Banganga, voilà. Banganga Nzambe, c'est qui? Les prêtres des dieux, donc, voilà. Surtout, Oza Banganga. Quand on te dit que Oza Nganga, quelqu'un qui se tourne en disant Oza Nganga, tu es un savant, tu es... Nganga parle de l'intelligence, parle de... Donc, tous ces gens-là, Nganga... On choisit Nganga Kisi Azali, Nganga Nengolobi, Monganga. Monganga, le mot là, on a rajouté Nganga. Monganga. Tu vois, c'est tout ça là. Dans nos traditions, en fait, il n'y a rien de sorcier dans l'histoire. Même quand on dit, souvent on le dit en Lingala, Kindoki Amindele et Zanengem. Bondoki, c'est l'intelligence, c'est la connaissance approfondie. Quand on dit Bondoki, c'est l'intelligence. Quand on dit Kindoki Amindele, bah ça là, bah avion. Kindoki Nabiso, tout ça là. Donc, tout ça, pourquoi est-ce qu'on appelle l'arme Munduki? Mundoki. Mundoki. En fait, voilà. Mais Mandoki, quand c'est plusieurs. Mais c'est juste les Blancs qui ont utilisé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'eux, ils sont venus avec des armes? Quand ils tiraient,
nos ancêtres, nos aïeux, nos, on va dire, ils étaient étonnés. Ouais. Ils disent, oh, mais c'est Hazan Abondoki. Hazan Abondoki. Donc, ils voient un truc qui crache le feu, qui tue sur place. Une arme à feu, c'est la première fois qu'ils voient ça. Donc, ils disent Bondoki. Et le blanc, donc la personne qui était là, je ne sais pas si c'est Stanley ou je ne sais qui était là, dit, ah, alors, c'est comme ça qu'on a réussi à nous convaincre que nos statues, Eza Bondoki. Bondoki, exactement. Alors, Eza Kindoki, on a donné. Le Kindoki, on a, ça c'est vraiment, c'est quand on le conjugue. Mais Eza Bondoki, Eza intelligence, l'intelligence, avec, la, voilà, avec l'article. On a dit Bondoki, alors qu'est-ce qu'il a fait? Comme on a compris que c'était mauvais, ça faisait peur, Bondoki. Le gars, il se dit, mais quand ils disent Bondoki, pour eux, et que ça fait peur, ils disent Bondoki, ça doit vous faire peur. On a réussi à nous convaincre de tout lâcher. Nos statuettes sont partout. Exactement. Entre autres, l'histoire de nos statues, raison pour laquelle ils ne veulent pas nous rendre, nos statues se retrouvent à, comment tu appelles ça, à Tervuren. Voilà. À l'époque, je pense qu'il y a cette partie où la connaissance se faisait transmettre par les statuts. Voilà, c'est donc, ça. J'ai dit tantôt même, quand j'ai parlé sur la... Les sources, en fait, pour ne pas te couper, en fait, la connaissance même des dieux, pour ces cas, se transmettait par des mythes, par des récits, par des... Voilà, par de ces choses, en fait. Mais justement, alors, ils ont pris les statuts pour récupérer l'intelligence qu'il y a dedans. Voilà. Mais ça ne marchera pas parce que, pour que ça marche, il faut que ça soit dans sa terre d'origine. Exactement. C'est voilà. Pour ça que les statues sont muets jusqu'aujourd'hui. Exactement. Parce qu'ils ont fait ça en disant Bondoki, Bake, Nango, Bache, Laba, Musée. C'est comme ça qu'ils ne veulent pas nous rendre. En se disant, on aura l'intelligence de nos aïeux qu'ils ont passé dedans. Ça ne s'active que sur notre terre et ça doit retourner dans les tribus d'origine. Tribus d'origine, exactement. Dans les lieux de l'incarnation, des manifestations, exactement. La vibration voilà. Là, du lieu, en fait. Exactement, yes. Ils savent ces choses, mais... Voilà. Le statut qu'on a pris, par exemple, chez les Louba, si ça ne peut retourner que chez les Louba, chez les Pendés, ça doit retourner. Ça ne va s'activer que si c'est un enfant Pendé qui touche. Exactement. Parce que si quelqu'un d'autre touche, ça ne marche pas. Non. Ça a des appartenances, c'est des totems. Donc, exactement. On ne peut pas... Ils peuvent garder pendant 1000 ans. Ça fait des années qu'ils ont ça. Ça ne marchera pas. Ça ne peut marcher que par nous. Ils ont essayé de prendre nos enfants, les amener là-bas pour les toucher, pour que ça s'active. Mais ce n'est pas sur sa terre, donc ça ne marchera pas. Donc voilà un peu ce que je voulais un peu dire. Oui, merci beaucoup pour ton intervention. C'est vraiment important. Donc, comme c'était un partage, c'était important pour regarder certaines choses. Donc, c'est important. Voilà. Donc, Kindoki, ça, on a déjà maillé. C'est juste un mot qu'on nous a donné. C'est la même chose que je dis aux gens, le dictionnaire. Qui a écrit le dictionnaire? C'est un homme comme toi et moi. Voilà, c'est ça. Qui a donné la définition des noms. Et nous, on respecte ça parce que quelqu'un a dit, ou c'est parce que c'est l'homme blanc qui a dit. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, voilà. Ok, merci. Donc, merci. Ok. Merci. Voilà, mes chers amis, c'était l'intervention de notre maman Ndélé là pour regarder certaines choses par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Donc, j'étais en train de dire en fait par rapport à Dieu. Là, je suis en train de parler sur la notion de Dieu dans la tradition Congo. Je suis à la dernière partie, bien au dernier chapitre, où je parle sur Dieu, comment le Congo, la tradition Congo voit Dieu. C'est la dernière partie, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je disais que Dieu, dans la tradition Congo, est appelé Nzambi. Nzambi, j'ai expliqué suffisamment qui est Nzambi, en fait. Nzambi, voilà. Tout ce que nous voyons, l'état de conscience, l'espace du feu intérieur, c'est Nzambi. Voilà. Nzambi est vu de trois manières. La langue Congo, quand on dit Nzambi, il le voit en trois concepts principalement. C'est-à-dire, Nzambi étant l'être suprême qui chapeaute toutes choses. Le concept de la manifestation de l'être suprême, parce que l'être suprême est encore invisible, il doit se manifester, d'où la création. Et le concept de la religion, parce que
Nzambi doit être connu par l'être humain, en fait. Voilà pourquoi nous adhérons à des religions, à des cercles initiatiques, à des spiritualités, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, parlons en fait de Nzambi. Nzambi, dans la tradition Congo, est appelé vraiment Nzambi Mpungu Tulendo. On va en définir. Il est appelé Nzambi Mpungu Tulendo. Là, je suis en train de parler, de définir en fait Dieu, le nom de Dieu dans la tradition Congo. Nzambi Mpungu Tulendo, il y a Kalunga, je parle de Kalunga, qui est en fait la mère, une des manifestations de Dieu dans l'univers, dans la création, qui symbolise en fait l'immensité et l'immensité de la chose de Dieu par rapport à la mer, à l'eau, aux eaux, et que la mer aussi a des vertus de refouler les impuretés. Vous comprenez, c'est ça aussi en fait. Voilà. À part Nzambi Mpungu Tulendo, Kalunga, dont les Bakongo appellent Dieu, il appelle aussi Mbumbaloa. C'est là où maintenant nous allons parler du chat. Le rôle du chat dans la tradition Congo, qui est très important, Mbumbaloa, on va en parler. Il y a aussi Mpinanza, il y a aussi Congo. Dieu est appelé aussi Congo, la tradition Congo, parce que le nom Congo, c'est aussi Dieu, on va en parler. Donc, chacun de ces termes dont j'ai cité, dont je vais les citer, Nzambi Mpungu Tulendo, Kalunga, Mbumbaloa, Mpinanza, Congo, Nzambi, traduit une nature précise de la divinité, vu en sa personne ou à travers sa manifestation. Parce que Dieu est invisible, en fait. Donc, il doit se manifester de différentes façons. Voilà pourquoi, quand on dit que les religions africaines sont en Égypte, ce sont les polythéistes. C'est faux, en fait. Le polythéisme, c'est quoi? Et parce que quand on voit que Dieu, en fait, on voit une image d'une personne qui a la tête de l'ibis, de chacal, de crocodile, de chat. Non. Ce sont les manifestations de Dieu, en fait. Ce sont les manifestations. Parce que Dieu doit se manifester au travers de sa création, parce qu'il est un. Il est invisible. Il doit être connu. Voilà pourquoi il a créé, en fait. Vous comprenez, en fait, la chose. Voilà. OK. Maintenant, parlons de tous ces noms dont je citais, en fait. Nzambi, Nzambi Mpungu Tulendo, Kalunga, Mpinanza, Congo, Mbumbaloa. De quoi s'agit-il? Alors, pas à pas. Premièrement, on va parler sur Congo. Congo, commençons comme ça. Congo, c'est aussi le nom de Dieu dans la tradition Congo. Vous vous souvenez, pour les chrétiens, en fait, il y a un verset dans la Bible où on dit, Deutéronome chapitre 32, verset 8, je pense que vous connaissez ce verset, où on dit que Dieu a donné à chaque peuple une divinité, tout ça. Et pour Israël, Yahweh, le Dieu d'Israël. C'est exactement ça. Donc, pour les Congo, en fait, les dieux Congo, en fait, qui régit, en fait, l'espace Congo, le peuple Congo, est appelé à Congo, en fait. C'est les dieux régents qui régit, en fait, l'espace Congo, en fait, les êtres humains Congo, l'espace Congo, en fait, il est appelé à Congo. Selon Deutéronome chapitre 39, verset 8. Donc, chaque peuple a son Dieu, a son régent, en fait. Parce que Dieu a donné cela ainsi. Voilà pourquoi en Israël, on dit que Dieu d'Israël, en fait, Dieu d'Israël n'est pas forcément le Dieu des autres peuples. Vous comprenez, en fait, comment la chose. Voilà. On a dit aussi, Nzambi Mpungu Tulendo. On va parler maintenant de Nzambi Mpungu Tulendo. D'abord, il faut savoir que quand on parle de Mpungu, Mpungu veut dire pouvoir. Mpungu, ça veut dire pouvoir. Ici, Dieu est pouvoir. Quand on dit Nzambi Mpungu Tulendo, ça veut dire Nzambi, donc Dieu est pouvoir. Mpungu. Tulendo, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire que Dieu est le pouvoir qui inclut toute l'autorité. Quand on dit Nzambi Mpungu Tulendo, c'est le Dieu qui a le pouvoir incluant toute autorité, en fait. C'est ça, en fait, le nom de Dieu véritable de la tradition Congo. Nzambi Mpungu Tulendo, le Dieu qui a le pouvoir sur toutes choses. Et puis rien ne lui échappe. Il a le pouvoir sur toutes choses. Voilà pourquoi on dit que Dieu est au contrôle. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc Nzambi Mpungu Tulendo, c'est le Dieu qui a le pouvoir sur toutes choses. Mpungu Tulendo, c'est-à-dire que lorsque le Congo fait référence à une autorité humaine, on dit qu'il dit toujours l'endo. L'endo, c'est l'autorité humaine, en fait. L'endo. Mais tout l'endo, c'est le pluriel de l'endo. Voilà pourquoi il dit que Nzambi Mpungu Tulendo, pour un humain qui a l'autorité, on dit l'endo. Il a une autorité. Mais tout l'endo, c'est le pluriel de l'endo. Voilà pourquoi on dit que
d'attention quand on dit que Nzambi mpungu tulendo, Dieu qui a le pouvoir, qui a le mpungu, Nzambi Dieu qui a le pouvoir, le mpungu tulendo, toute l'autorité en fait, qui incluant toute l'autorité. Rien ne lui échappe en fait. C'est ça la conception, la notion de Dieu dans la tradition Congo. Donc à part Congo, à Congo, qui selon Deutéronome chapitre 30 verset 8, vous connaissez le verset 2, qui dit que Dieu a donné à chaque peuple un régent, un Dieu en fait, qui régit en fait. Voilà. À Congo, c'est le Dieu de Bakongo en fait. Vous comprenez? Voilà. Pungu Tulendo, je vous ai expliqué, Pungu Tulendo, c'est le Dieu qui fait référence au pouvoir de Dieu, incluant toute l'autorité. Tulendo, c'est le pluriel de l'Inde. Voilà. Avançons. On a parlé aussi, on a dit que Dieu, quoi que Dieu soit source de tout, on a compris, il est source de tout. Maintenant, il faut savoir que Dieu a créé. Ici, le Mukongo vit dans l'espace temporel. Il vit dans un champ spatio-temporel, le temps et l'espace qui les régit, en fait. Vous comprenez? Maintenant, Nzambi, qui est la source de toutes choses, il a créé, en fait, par son démiurge. Démiurge, c'est l'architecte, en fait. Alors, il faut savoir que ici, je ne suis pas dans le polythéisme. Ici, c'est les manifestations de Dieu, en fait. Dieu se manifeste. Il se manifeste, en fait. Voilà pourquoi on dit à Congo, Mpungu Tulendo. Mais maintenant, ici, ce qui nous concerne, quand je dis que le Mkongo, l'être humain, est vit dans un sens spatio-temporel où il y a le temps et l'espace, il y a des limitations, la création ici sur Terre. Ici, Dieu est appelé Mumbaloa. Mumbaloa, en fait, c'est quoi? C'est quand Dieu crée. Ici, c'est le demiurge, c'est le grand architecte, comme les francs-maçons disent, le grand architecte, en fait. C'est l'architecte du champ spatio-temporel, qui inclut tous les systèmes solaires. C'est Mumbaloa. Là, Dieu est appelé Mumbaloa. Mumbaloa, ça veut dire quoi? Ici, comme je l'ai dit, la création ne fait donc pas partie de l'ordre éternel de Dieu. Il faut comprendre. Parce que Dieu est Dieu, quand on parle de Dieu étant la source, en fait, la source de toutes choses, Dieu vit hors du temps et de l'espace. Il vit hors du temps et de l'espace, en fait. Il vit hors du temps et de l'espace. Quand on parle de Dieu, essentiellement, en fait, la source, il vit hors du temps et de l'espace. Mais comme il est néant, il est rien, on ne connaît pas, mais il se manifeste au travers de ses manifestations. Permettez-moi la tautologie. Pour ce cas, avec les champs spatio-temporels où nous vivons, les systèmes solaires, les planètes, tout ce que vous voulez, ici, Dieu se manifeste comme Mumbaloa. Mumbaloa, c'est le Dieu qui gouverne l'humanité. Qui gouverne, en fait, l'humanité, il gouverne toute la création, les systèmes solaires, toutes ces choses-là, en fait. Vous comprenez? On va en revenir. Ici, je suis en train de signifier, en fait, le nom de Dieu. Nzambi, Nzangapungu, Tulendo, Congo, Congo, Mumbaloa. Il y a aussi Mpinanza. Mpinanza, en fait, c'est sur le plan temporel. Quand il se manifeste temporellement, il est appelé Mpinanza. Mpinanza, en fait. Et puis, à part Mpinanza, il a ce qu'on appelle Kimaungu. Kimaungu, en fait, Maungu, c'est quoi? Maungu, c'est l'androgyne de l'être humain, en fait. Il y a la masculinité et la féminité, le Kimaungu, en fait. Ici, Dieu, en fait, ici, en fait, c'est le Pinanza, qui est l'idéal de Dieu qui se manifeste. Je vais dire quoi? Excusez-moi. Le Pinanza, en fait, c'est l'idéal de Dieu dans son Fils sur le plan céleste. On peut l'assimiler, si je peux le permettre, à Christ. À Christ, en fait, au Fils, au principe Fils. C'est ça, en fait, Pinanza, pour comprendre, en fait, la chose. Si c'est faux, corrigez-moi, en fait. C'est ce que j'ai compris. Et puis, sur le plan, si Dieu vient se manifester en l'homme, en fils de l'homme, c'est le Kimaungu. Kimaungu. Kimaungu, c'est le corps. Voilà, c'est la masculinité et la féminité. C'est l'androgyne. C'est la dent primordiale, en fait, ce que je dis ici. C'est le Kimaungu. Donc, on comprend ici que, quand on parle de Pinanza, c'est en fait, c'est le Christ. Ici, c'est l'idéal de Dieu dans son Fils sur le plan céleste, en fait. C'est le Christ. Parce que le Christ ne s'incarne pas. Il ne s'incarne pas, en fait. Il ne s'incarne pas. Il se
manifeste en fait. Il endobre, il entre dans quelqu'un. Et puis le Kimaungu, c'est l'idéal de Dieu dans son fils, dans le fils de l'homme sur le plan temporel. Il entre maintenant dans le temps. On peut dire qu'on peut l'assimiler pour bien comprendre. Christ, c'est l'épinanza, c'est l'idéal de Dieu sur le plan céleste. Et puis le Kimaungu, c'est Jésus, Yeshua, la divinité a porté le corps en fait, qui entre dans le fils de l'homme sur le plan temporel. Vous comprenez en fait, voilà. Et pour les Kaloum, on a parlé, on a dit que c'est la mère, c'est, en fait, ça évoque l'immanence de Dieu en tant que tout en tout. Ça parle de cela aussi. La mère présente, on en parlait, l'infinitude de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. La mère manifeste aussi la pureté dans la mesure où il rejette toute l'impureté versée par l'homme et par la nature. Ça signifie aussi la sainteté de Dieu dans les Kalunga. Voilà. La mère est que salée, le sel préserve et purifie. Il préserve toute souillure. C'est ça aussi la mission de Dieu en Kalunga. Maintenant, parlons de Mbumbalowa. Comment attelons-nous plus sur Mbumbalowa? Je vous ai dit que Mbumbalowa, c'est le démiurge, c'est le grand architecte, c'est lui qui a créé tout l'univers manifesté, le système solaire, ainsi de suite. Mbumbalowa. Mbumbalowa, c'est quoi? Ou bien c'est qui? C'est l'un des soleils qui sont les manifestations directes de Nzambi en Pungutulendo. Je veux dire que la conception Congo Nzambi en Pungutulendo, c'est le tout en fait. C'est le tout parce que Nzambi, c'est Dieu. Mpungu, c'est le pouvoir et Tulendo, c'est toute l'autorité. Qui inclut toute l'autorité? Tulendo, c'est le pluriel de Lendo, Tulendo. Pour une autorité terrestre, on dit Lendo. Mais pour Dieu, c'est Tulendo. Nzambi en Pungutulendo, c'est lui qui possède toutes choses, tant physiques qu'invisibles, que spirituelles. Maintenant, pour que l'Nzambi Mpungutulendo se manifeste dans le monde manifesté, dans le système solaire, il se manifeste en étant Mbumbalowa, qui est l'un des soleils qui sont les manifestations directes de Nzambi Mpungutulendo, le soleil des soleils. Mbumbalowa est le créateur de cet univers temporel dans lequel nous évoluons maintenant. Vous comprenez? Donc, la Terre, les planètes, la galaxie, voire la Terre, c'est lui qui a créé cela, c'est Mbumbalowa. C'est l'Nzambi Mpungutulendo manifesté maintenant en Mbumbalowa. Pourquoi? Parce que Dieu, comme je vous ai dit, il est infini. Il doit se connaître en fait. Il se manifeste en fait. Pour le cas de la création, c'est Mbumbalowa. Pourquoi Mbumbalowa? Le mot Mbumba, du verbe qui connaît Mbumba, qui veut dire façonner, créer. Mbumbalowa vient du verbe qui connaît Mbumba, qui veut dire façonner, créer. Il réfère aussi donc à l'intelligence créatrice de Dieu. Vous comprenez? Donc, il désigne aussi les chats. Mbumba en Kikongo, ça désigne aussi les chats à part. Mbumba vient du verbe Mbumba qui veut dire façonner, créer. Et puis Mbumba, c'est les chats. Les chats sont appelés à Kikongo Mbumba. Cet animal est donc, dans le Bukongo, dans la tradition Congo, un symbole du Dieu solaire. Vous comprenez? Je vous ai parlé du système solaire parce que notre univers est régi par le soleil. Sans le soleil, on ne peut pas vivre. Le soleil, c'est la vie, en fait. C'est grâce au soleil que nous avons la vie. S'il n'y a pas de soleil, c'est la mort. C'est dans la tradition comme c'est Mbumbalowa, c'est le chat. C'est le chat, en fait, qui est en fait le symbole du dieu solaire dans la tradition Congo. Vous comprenez? Ce symbole évoque, avant d'évoluer, vous allez remarquer aussi en Égypte, il y a ce combat en fait nocturne entre les dieux chats. Dieu chat, c'est qui? C'est Bastet, je pense. Je pense Bastet, quelque chose comme ça. Qui a les couteaux en fait pour terrasser Apophis, le python pour les Grecs. Apophis, c'est celui qui est le dieu de la nuit en fait, qui fait perdurer la nuit. Maintenant, le chat est là pour couper en fait, pour couper les pitons, Apophis, pour qu'il y ait le soleil, en fait. C'est ça le symbolisme. C'est le Mbumbalowa. Vous comprenez? Donc, la tradition Congo, c'est exactement la tradition égyptienne, comme toute autre tradition négro-africaine. Vous comprenez? Voilà. Donc, je disais que Mbumbalowa, qui est aussi le chat, cet animal est donc, dans le Bukongo, un dieu, un symbole du dieu solaire qui est créateur de notre univers manifesté, le soleil Mbumbalowa. Mbumba, voilà, façonné, créé. Voilà. Donc, ce symbole évoque l'omniscience de Dieu. Pourquoi? Les chats voient la nuit et le jour. Les chats voient
les nuits, voit la nuit et les jours. Donc, le chat étant, dans la tradition Congo de l'Ibukongo, un symbole du Dieu solaire, il symbolise l'omniscience de Dieu. Quand on dit que Dieu est omniscient, c'est le Congo, dans l'Ibukongo, c'est l'omniscience de Dieu. Pourquoi? Parce que le chat voit la nuit et les jours. Vous comprenez? Il évoque aussi dans le chat l'infaillibilité de Dieu. Pourquoi? Parce que le chat ne tombe jamais à la renverse. Il ne tombe pas comme ça, jamais. Vous voyez la beauté de la chose. Le chat ne peut pas tomber comme ça, jamais. C'est impossible, jamais. Vous voyez comment nos ancêtres, vraiment, pour les cas, le Congo était vraiment magnifique de savoir, en fait. Vous comprenez? Donc, le chat étant le dieu solaire, évoque l'omniscience de Dieu, parce que le chat voit la nuit et le jour. Le chat symbolise aussi l'infaillibilité de Dieu. Pourquoi? Parce que le chat ne tombe jamais à la renverse comme ça. Il ne tombe jamais comme ça. Or, dans la langue Congo, pour dire tomber, on dit bois, qui veut dire aussi avoir tort. C'est-à-dire que si le chat tombe à l'arrière comme ça, c'est que Dieu a tort. Or, c'est que Dieu pêche. Ok, Dieu ne pêchant pas, il ne tombe pas comme ça. C'est l'infaillibilité de Dieu, en fait. Vous comprenez? Avoir tort ou bien être vaincu. Ok, Dieu n'est jamais vaincu. Donc, le chat, en tombant à l'inverse comme ça, ça veut dire il est vaincu. Ok, le chat ne tombe jamais comme ça. C'est impossible. C'est ce qui symbolise l'infaillibilité de Dieu. Vous comprenez? Le chat évoque aussi qui est le Dieu soleil, Ngomaloa, évoque aussi la toute-puissance de Dieu face au mal. Je vous ai parlé de la symbolique du dieu chat, je pense Bastet, je pense, si je m'abuse, qui détruit en fait par les couteaux Apophis dans les pitons, dans la course de la nuit pour les détruire en fait, pour qu'il y ait jour. C'est plus expliqué dans les livres des morts égyptiens. Vous comprenez? Voilà. Et puis les chats symbolisent aussi la pureté divine. Vous comprenez? Et c'est aussi la pureté divine. Donc voilà, quoi ajouter encore? Je pense que j'ai terminé là. Les choses à ajouter encore, j'ai dit Nzambe Mpungu Tulendo, qui évoque aussi forcément la relation entre le créateur et la créature, car toute la création a dit Mba, Mba, Nzambi, Nzamba, Nzambi, espace intéressé, individualisé, j'en ai parlé. Mais le plus important de retenir par rapport à l'être humain est que l'être humain, les Mukongo, l'être humain, a neuf corps, c'est-à-dire, quand on dit neuf corps, ça veut tout simplement dire les neuf espaces qui échappent à la temporalité. Pourquoi? Parce que notre corps physique, c'est ce qui est régi par le temps et l'espace. Mais au-delà de ça, il y a notre neuf corps qui est spirituel, en fait, qui a des dimensions hautement encore élevées en fréquence. Tous ces neuf corps-là sont en fait les MB. Les MB, en fait, il y a les forces spirituelles, en fait, les corps éthériques, les corps mentaux, les corps causaux, toutes ces choses-là. Ce sont des mondes, en fait. Ce sont des forces spirituelles, en fait. Vous comprenez? Aussi, dans les neuf corps-là, il y a aussi neuf Mpungu. Mpungu, je vous ai dit que les Mpungu, ce sont les pouvoirs. Donc, en l'être humain a des pouvoirs incommensurables, je dirais multidimensionnels aussi en lui. Les neuf corps-là. Vous comprenez? Pour faire simple, on dit neuf corps, c'est corps, âme et esprit. Parce que dans le corps, dans l'âme, c'est tout un tout. Où il y a là, le corps éthérique, le corps mental, le corps astral, le corps causal, le corps bouddhique, tout c'est en fait. Ça monte vers l'esprit. Dans le Bakongo, le Bukongo dit que nous avons neuf corps. Neuf corps là, qui en eux, il y a les forces spirituelles, les mbi du Nzambi, les feux intérieurs là qui sont en nous, qui échappent à la temporalité. C'est le monde de l'ascension. C'est le monde où nous allons expérimenter quand nous allons passer à l'au-delà, quand nous allons mourir en quelque sorte. Et ces neuf corps-là à neuf pouvoirs, c'est-à-dire neuf pouvoirs. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à la notion de Dieu dans la tradition Congo. Waouh, c'était pas facile. Voilà ce que j'ai préparé pour nous, parce que ça me parle aussi. J'ai appris aussi par rapport à cela. Donc j'ai terminé. Je pense que ça a été clair. Merci pour vos interventions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, mais je dois m'arrêter là. J'ai parlé assez par rapport à cela. On a parlé sur la notion de Dieu dans la tradition Congo. On a vu les sources de la théologie Congo, les évidences de l'existence de Dieu. On a parlé de Dieu. Bref, la vidéo va rester sur mon mur.
Voilà, s'il y a des contradictions, des questions, des suggestions, je suis disponible par rapport à cela. Je ne vais pas terminer sans remercier toutes les personnes qui ont vraiment pris leur temps à nous suivre. Et voilà. Merci beaucoup à mon frère, mon Rav Moïse Chadan Pouki. Merci beaucoup à ma sœur Nadia Ibenge. Merci beaucoup à mon Néla Wakasunga. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup à mon frère Bouhari Saïd. Merci beaucoup à ma sœur Pansia Kakudiangela, mon frère Shalom Klimbe Yavim Paka, mon frère Baraba, mon frère Yvita Boula, voilà, mon frère Eric Kabasi, merci à mon frère Mike Kassongo, JL Elegance, Bergowitzingi, ma sœur Naska NK. Merci à toutes les personnes qui ont vraiment pris le temps à suivre ces lives, ces partages sur la notion de Dieu dans la tradition Congo. On va s'arrêter là, la vidéo va se soumettre. À nous et voir pour la prochaine fois pour d'autres sujets. Merci, portez-vous bien. C'était votre ami frère Kalin Alider, Makéou. À la prochaine, merci. Peace and love. Bye bye.